bien le bonjour à tous et bienvenue dans la partie 5 de Infamous 2. Je suis Ultimate John Doom. Nous venons résumer et d'effectuer la partie suivante de New Marais et que nous avons effectué jusqu'à présent les missions suivantes de Colmalgras et que nous avons empêché un sacrifice pour sauver un des membres de la famille d'un révolutionnaire. Qu'il s'agit de sa nièce et que nous avons réussi à battre un des monstres colossaux et que je peux dire ce n'est pas du tout facile et que, pardonne-moi l'expression, il est un peu dégueulasse. Mais autant dire, nous avons obtenu des performances supplémentaires et aussi un autre noyau d'énergie pour pouvoir progresser dans l'histoire. On continue la mission suivante. Cole, chérie. Ça te dit qu'on s'amuse un peu? J'ai un truc qui va te décoiffer. Nyx veut me voir. Autant, j'aimerais faire une correction sur le prénom. C'est pas Mix, c'est Nyx en fait. C'est lui! Tiens! Hop! Boum! Boum! Tiens! Tiens! Il y a une bombe tout près. Pour un autre fragment. Il faut l'arrêter. Ces gens n'oublieront jamais ce que tu as fait pour eux. Et un fragment de plus. C'est pas possible. C'est mal barré. Encore ces créatures. Tiens! Tiens! Boum! Hop! Zut, j'ai raté. Il y a un autre fragment. Pas prendre ce fragment. Histoire du passé. Fais gaffe à tes pieds. Y a pire que des alligators ces temps-ci. Dommage. Je me serais bien baigné à poil. Oh. Eh ben vas-y, te gêne pas. Tu veux me dire ce qui t'arrive? J'ai grandi là-bas. Pas facile, hein? Tout est complètement différent. Tous les gens que je connaissais, c'était des voleurs et des dingues, et des pauvres qui avaient rien. Ma mère était tout ça. C'était avant. Avant quoi, Nyx? C'est ce que je vais te montrer. «
Mais d'abord, il faut trouver un bateau. Il veut nous montrer un brave gaillard ou un bateau joli tout plat. Attention, Cortex Ionique. Envoyez. J'ai plus d'électricité. Attends. C'est bon. En pleine tête. Il y a une autre charge. Tempête ! Vortex ionique ! Boum. Wow. Tiens. Boum. Éliminé. Recharge de plus. Ouch. Silence. C'est bon, ça va mieux. Ok. Je connais le chemin. Je conduis. Ok, vas-y. Admire donc le paysage. Ça, c'est nouveau. Tu vois les tours devant ? Bon, on y va doucement. Restons sur le garde. Oh ! Bon sang ! Boum ! Vortex ionique. Boum. Ça va mieux. Boum. Chouette. Attention. Qui l'essaye? Ouais. Boum.
pas bien longtemps. Tiens! Allez, on y va. Ah, c'est bon. Oh non! Cool. Je sais, je sais. Débarrassons-le, pardon. J'aurais dû dire... Faites-les tomber par-dessus bord. Toi aussi! Et hop! Tiens! Oh bon sang, il y a encore plus de monstres que de moustiques ici. C'est peut-être pour ça que la milice se retranche. Elle essaye d'empêcher les monstres de passer la ville. Peut-être. Tiens! D'autres tourelles ici. On dira un autre camp de la milice. Va punir ces crétins pour qu'on puisse dégager. Avec plaisir. On y va. Pauvre salopard. Je suis content d'avoir échappé à ça. Attends, attends. J'ai vu un truc bouger sur la côte. Oh, super. Viens vite, Mix. Nix. C'est bon. Vas-y, avance. Plutôt, non. Sans, ils sont tous morts. Ravageur ! Non, un seigneur ravageur. Oh, bon sang ! Wow! Ah! Il m'a mis dans l'eau, hein, cet imbécile. On recommence. Wow! De l'électricité de plus. Ah! Bon sang! Ah, j'aurais dû pas envoyer d'abord. Tiens! Oh bon sang! Ah! Tiens! Électricité. Oh, ça va mieux. Allez, vite. Tiens! Tiens! Wow! Doucement! Loupé! Bon sang, j'ai plus d'électricité! Ah!
Non. Bon sang, j'ai décoincé un instant. Il n'y a plus d'électricité. Oh, faut que j'élimine ce ravageur. Oh, où est-il? Là! Il faut que je trouve de l'électricité vite. Seigneur ravageur éliminé! Cole! Laisse tomber et reviens sur le bateau! Faut qu'on se tire! J'arrive! C'est bon, je suis là! Oh non! D'autres ravageurs! Mort, mec. On peut rien faire sans se tirer! Démolissent le bateau. Tiens bon, on y est presque. Ça, c'était quoi? C'est le signe qu'on approche. Ferme-la et peut-être qu'on passera inaperçu. Mauvais pressentiment. Ça a l'air bon. Merde, c'était quoi ce truc? J'ai pas vraiment étudié la question. Enfin bon, on y est. Le spectacle est devant, à pied. Ok. Nyx ne dit pas un mot pendant que je la suivais. Et puis j'ai vu. Je ne pouvais y croire. Une petite partie d'Empire City. D'une voix douloureuse, elle m'a décrit ce qui s'était produit là-bas. Elle m'a parlé de Bertrand, de la métasphère et d'un groupe de parias. C'était des prostituées et des habitants des marais. Ceux dont la mort passerait, selon lui, inaperçue. Nyx avait vu toute sa famille se faire engloutir par l'explosion. Après ça, il n'était plus resté que deux. Nyx était manifestement une porteuse. Son corps avait pu absorber l'énergie de la métasphère, ce qui avait activé ses pouvoirs. Il avait dû arriver la même chose à ce soi-disant pro-humain de Bertrand. En retournant en ville, j'arrêtais pas d'y penser. Si aux abords de l'explosion, Nyx avait gagné de tels pouvoirs, qu'en était-il de Bertrand, l'homme qui était au centre? Fallait que je montre ça à quelqu'un. Pour vérifier que c'était vrai. Je pensais que le démon comprendrait. Je te jure qu'on va coincer Bertrand, Nyx. Ah, je sais, c'est juste que... Bon. Faut que je tape sur un truc. J'ai conduit ce maudit rafio trop longtemps, je crois. Alors, il y avait deux porteurs... enfin, une porteuse et un porteur qui étaient créés à New Marais. On va devoir enquêter sur Bertrand. Histoire du passé. Mission terminée. 56 éliminations. Ouf. Tiens, mais je me demande si je peux avoir d'autres pouvoirs. Grenade collante, ça je veux bien. Et en même temps, les XP que je reçois. Super vidange. Ça, je veux bien.
Et ça? Je vois. On continue. Ce que vous me donnerez servira à ma famille. Hé, les gars, j'ai une grande nouvelle. Allez, on se rassemble. Très bien, Zek, j'arrive. Tiens, tiens. Otage sauvé. Si je continue à cette voie, j'aurai de meilleurs résultats. Et je passerai de champion à un autre. Voyons voir. Hey, Cole! Je savais que c'était toi. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on est tous là. C'est quoi le grand secret, Zek? C'est officiel. Le système de transfert est quelque part à Fort Philippe. Mais ça va? Mademoiselle est pas contente parce que Bertrand a copié tous ses pouvoirs sur des inconnus. Détruire. Il faut qu'on le détruise. Quoi? Non, 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 pas question. On le garde pour nous et on vole les pouvoirs de tous les autres, ok? Tu comprends pas. Quoi? Qu'est-ce que tu comprends pas, garce? Que tu t'es senti utilisé et violé par cette machine? Quoi, je te connais depuis 5 minutes et j'en ai déjà ras-le-bol. Le garder, peu importe tant qu'on n'a pas satané truc. Écoutez-moi, Fort Philippe est immense. Il faudrait une armée pour y entrer, couvrir les sorties et nettoyer l'intérieur. On pourrait s'allier à La Roche et à ses hommes. Ah ouais? Pourquoi ils nous aideraient? C'est un échange de bons procédés. On leur donne une chose dont ils ont besoin. Ouais, comme un coup de pied au cul! De la nourriture, des abris, des antibiotiques. La milice ne semble pas souffrir de l'épidémie. Bertrand doit s'accaparer les médocs. Alors c'est ça qu'il faut donner à La Roche. J'ai fait une carte de toutes les patrouilles de la milice. Ça peut aider à trouver la planque? J'aimerais bien voir ça. Allez! Parfait. Bien joué, quoi. C'est génial. Je sais que ça va marcher. Quoi? Leur donner des médicaments? Non, 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 non. Ça va juste rendre les gens plus forts. Il faut qu'ils aient la rage. Et qui dépendent de nous. Et comment on va pouvoir faire ça? Je sais. Tu me laisses me déguiser en soldat de la milice, et je vais faire un peu de boxe à ma façon. Tu veux dire un massacre? Ouais, si tu veux. Et après, tu te ramènes et tu sauves le monde. Tu seras un héros pour ces idiots. T'en penses quoi, bébé? Oh, je pense que t'es cinglé. Moi, je pense que ça te plaît. Comme je l'ai dit, je vais faire le bon choix. Je vais prendre de bonnes actions. Avec Kuo. Désolé Nyx, mais c'est simplement que j'ai fait mon choix. Et en plus, l'histoire rebelle et ainsi de suite, ça me plaît pas du tout. Je l'ai trouvé. Tout est de ma faute. Attends, tiens, tiens. Ouah. Hop. Boum. Oh, allez, le plan de Kuo est naze. Elle veut aider tout le monde sauf nous. Fais ce que je te dis et je ferai de toi un dieu aux yeux des crétins. Désolé Nyx, mais mon choix est déjà fait. Yop. Boum. Ok.
C'est parti, Quo. T'as des pistes pour le matériel médical de Bertrand? Oui, j'en ai. Montez vite! Je sais où trouver la roche! L'ambulance? Pourquoi pas? Grille-les! Boum! Attends! Merci. Tiens bon, je les contourne. Ok. Bon sang. Et c'est collé. Non, je peux pas faire demi-tour. Vortex ionique. C'est bon. Et c'est toujours. Son plan génial. T'as bien fait de venir avec moi. Oh, elle est complètement cinglée. Mettre une tenue de la milice et tuer des rebelles pour démarrer une guerre, on dirait un scénar de BD. Oh, je suis d'accord. Mais si on se pointe avec un truc qu'ils veulent... Comme ce matériel médical... Ils vont nous adorer. Oh, tout du moins nous accepter. Écoute-moi bien, t'es pas un monstre, Quo. T'es toujours toi. Juste un tout petit peu plus givré qu'avant. Waouh, merci, ça c'est du compliment. Détruisons cette créature qui nous barre la route. Rétablissons, vite. Allez! C'est un dévoreur, ok. Wow! J'aurais dû détruire ce dévoreur rapidement. On remonte. Vite, allez. Ok. Allez, vite. Allez. Non. Wow, des punaises. On recommence, c'est reparti. Vite. Dévoreur éliminé. Il disparaît dans la poussière. Vas-y, avance. Attends.
foudroyer. Dans l'autre sens. Attends, je m'en charge. Suite. C'est bon. Boum. C'est bon. Attends, je vais m'occuper de ça. Bien. Bon sang. Tiens. Envoyé. Boum. J'ai libéré le passage. Allez, Kuo, vas-y. Déjà 32 minutes, je fais cette mission et après, j'ai terminé. Ça y est presque. Ma grâce, c'est vous qui surfez sur l'ambulance ? Monsieur Laroche, on apporte des médicaments pour vous et pour vos hommes. Ouh. Super. Vous apportez bien plus que ça, imbécile heureuse. Cet endroit était secret. La milice, battons-les. Grenade collante. Ouf. Tempête ionique. J'aurais dû dire vortex ionique. Mais bon. Où sont les autres? En haut. Vortex. Yop. Pas devant moi, pas devant moi, pas devant moi. Tiens. Oh, pardon, désolé. Vortex. Yeah. Et hop, capturé. Un autre. Ah, bon sang. Tiens. Tout est prêt. Tiens, tiens. Boum. Vortex. Ouais. Quand vous avez le dos tourné, vous voyez ce que je veux dire. Ah non, ce n'est pas lui que je voulais. Ils sont en haut. Attends. Ok. Je monte. Tiens. Il y a encore en haut. Tiens. Eh ben, grâce. Mes
hommes ont l'air de penser qu'ils sont sûrs de gagner si vous êtes à leur côté. Alors, faut qu'on nettoie le fort. Ensemble, on va déloger Bertrand d'Ascension Parish. On n'a pas vraiment le choix puisque vous avez détruit notre cachette. Ils vont nous tuer si on fait rien. En plus, j'ai une dette envers vous pour les médocs. Certains de mes gars sont vraiment très malades. Je vais me préparer pour l'assaut. Prévenez-moi quand vous serez prêts à y aller. J'ai fait le bon choix. Même si j'ai blessé 15 civils et 2 exécutions sans faire exprès. On va continuer. C'est ici que je vais arrêter la vidéo. J'espère que cette partie de vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker et partager à ceux qui sont fans du rétro gaming. Et surtout n'oubliez pas que la passion jeux vidéo et rétro gaming continue à suivre dans la prochaine partie.